N'ap di bonjour, bonsoir, eh bien c'est Kenny Meka qui compte entrer la caillou. Juste pour le poter pour vous, information sous affaire véhicule automobile, sous affaire mécanique. Eh bien, nous connaissons un pile jeune étudiant qui entre dans mécanique. Eh bien, vous allez remettre cette vidéo ça, mais sauf que n'ap mando, pendant que vous regardez vidéo ça, songez pour partager avec amis ou avec famille. Et puis c'est comme ça vous êtes capable d'encourager nous. Je ne j'ai dit, hein, j'en que nous t'es toujours joint en pile de demande pour nous porter pour l'autre tableau pour nous représenter moteur à quatre temps. Eh bien, moteur nous vient présenter sous tableau aujourd'hui, hein, c'est un moteur 3 cylindres. Nous connaissons un pile monde qui t'a posé question ça et qui t'a tenu vidéo ça longtemps. Eh bien, finalement, nous réaliser nous porter le pour vous, côté que nous pas l'expliquer comment que vous capable présenter quatre temps moteur dans quatre temps sur un tableau dans moteur 3 cylindres. Là, nous pour nous capable rendre travail plus facile et pour nous capable faire plus bien comprendre, nous fait deux tableaux de moteur 3 cylindres. Pour quelle raison nous fait ça? C'est parce que nous toujours joindre un pile monde qui toujours a dit pour qui ça c'est avec explosion nous toujours fait tableau yo nous pas fait là avec l'autre temps mais nous te compte toujours répondre nous ou capable choisir faire tableau ou capable choisir représenter tableau avec n'importe quel temps moteur que ou même ou choisir si choisir explosion si choisir admission échappement et bien tableau a toujours paraît même genre. Mais nous-mêmes, nous avons toujours choisi explosion. Pour qui raison nous avons toujours choisi explosion? C'est parce que nous avons estimé tant énergie dans le moteur, hein, c'est explosion liée. Si toutefois on a présenté tableau, hein, le plus bon pour nous présenter par tant énergie hein, qui c'est tant explosion, mais si nous choisissons n'importe l'autre temps, il n'y a pas de problème. Là, nous venons avec deux tableaux pour vous. J'ai encore regardé dans la vidéo. Hein. Des tableaux ça yo tous les deux c'est moteur 3 cylindres yo représenté. Nous connaissons que moteur 3 cylindres ça représenter sur un tableau c'est pas un bagage qui facile, il y a pile monde qui pas jamais capable rive comprendre même lorsque yo explique au li dans classe, même lorsque vous faites plusieurs fois ou apprendre, il y a monde finalement c'est vague yo konn bay. Mais sous cette vidéo ça nan mon comme jeune étudiant, ou capable comprendre un tableau ça qui côté que nous porter pour nous porter pour tableau 3 cylindres. On nous expliquer pour qui raison tableau ça lui ont déjà paraît compliqué. Nous te fait moteur à 4 cylindres déjà, eh bien là nous gain 4 temps moteur, 4 temps moteur gens que nous toujours expliquer qui c'est admission, compression, explosion, échappement. Pas oublier que moteur, j'en que nous toujours dit, il fait trois mouvements, côté que il y a un piston qui a monté deux sen là-dedans, il y a un vilboué qui a tourné, et puis il y a un bielan qui a fait un mouvement excentrique. Là, quatre moteurs, et puis il y a un tableau quatre cylindres, eh bien, il est facile pour capable présenter. Ça fait nous dire facile pour capable présenter parce que nous gain admission, compression, explosion, échappement. Eh bien, l'on quatre ou gain quatre cylindres et puis vilbrequin pour le capable faire cycle moteur, il fait deux tours qui donc chaque demi tour gain un temps qui fait. Eh bien là nous vinn dans quatre cylindres là dans tableau moteur quatre cylindres là chaque cylindre fait un temps. C'est un bagage qui tout bien calculé, mais 3 cylindres là c'est différent. Il y a pile monde jusqu'à présent qui pour que j'aime voir moteur 3 cylindres ou bien qui pas connaît si moteur 3 cylindres existait. Oui, moteur 3 cylindres existait. Ou capable joindre un moteur 3 cylindres dans une machine ou capable joindre moteur 3 cylindres tout dans une motocyclette. Moteur 3 cylindres là, il bel et bien existé en pile et puis il y a pile machine, surtout machine qui pas gros yo, et bien yo gagne moteur 3 cylindres sur yo.
pour nous capable arriver présenter tableau ça là nous parler de moteur 3 cylindres est-ce que nous pas retirer un temps pour moteur 3 cylindres ça fonctionner non quel que soit tu gagne un moteur un grand cylindre quel que soit tu gagne un moteur 2 cylindres 3 cylindres 8 cylindres eh bien c'est toujours 4 temps moteur kounya là pour nous avancer 4 temps moteur ça nous dit que il fait 0 180 360 il vient dans 720 kounya 720 ça qui c'est 2 tours vilbre qui en fait eh bien nous va le diviser par 3 cylindres que nous gagnons eh bien nous venons joindre 240 ça eh bien c'est chaque fois vilbre qui en tourne 240 eh bien pour gagner un temps dans moteur. Si c'est explosion, c'est chaque 240 degrés a bien explosion. Qui donc ou te wè les nous te présenter moteur 4 cylindres là qui donc il était plus facile chaque 180 et bien là vilbre qui a toujours continué virer malgré le fin fait un temps et bien pour capable arriver 240 pour le temps capable commencer ça fait ça c'est parce que moteur ça c'est 3 cylindres seulement qui est lié. On l'autre balle encore dans moteur nous te connait moteur 4 cylindres et bien nous te connait tande parler de moteur un cylindre comparant qui donc soit premier marché avec 4e soit premier marché avec 2e qui deuxième marché avec 4e deuxième marché avec 3e les ça nous te gain 4 cylindres qui donc il était facile pour nous capable gain cylindre comparant mais là ou est que 3 cylindres est-ce que capable gain cylindre comparant non sou fait premier marché à deuxième et bien troisième il pas gain l'autre pour le marché c'est soit tu as fait tous les trois comparant bon ça yo pou arriver là et bien on fois que pas gain cylindre comparant et bien chaque cylindre yo nan ou tu pou kontyo concessionnaire ça qui fait moteur ça eh bien il va déterminer haute d'allumage lui selon Jean lui même livré mais pas gain faire cylindre comparant là nous mettons haute d'allumage pour 1-3-2 1-3-2 capable yon haute d'allumage juste pour 1 après 3 pour créer un seul d'équilibre mais selon Jean ou même ouvlé comme ça tout il est capable 1-2-3 ça qui est plus important c'est que ou gen haute d'allumage ou et puis ou pral garder pour elle qui jan tableau yo qui jan tan moteur en lui-même li représenté sous tableau an. Là nous dit nous te choisi explosion dans tableau ça nous dit que tan moteur an toujours égal lui-même tan moteur an toujours égal tan moteur an. Li toujours fait demi-tour vilbre qui an li toujours égal avec 180 degrés qui donc nous connaissons demi-tour vilbrequin, c'est 180 degrés, qui donc un temps moteur égal avec un demi-tour vilbrequin, quel que soit côté arrivé, et bien depuis un jour, un temps moteur ou est-ce 180 degrés, ou est-ce demi-tour vilbrequin, et bien depuis un jour, deux temps moteur ou est-ce 360, un jour, trois temps moteur ou est-ce 540, un jour, quatre temps moteur, et bien ou est-ce 720 degrés. Laisse ça, cycle lui-même, lui réaliser. Kounya la, combien de données nous nous sortons nan 0, nous arrivons dans 180 pour expliquer explosion. Eh bien, on d'allumage nous qui c'est 1-3, 1 fait explosion, 3 va faire explosion. Est-ce qu'elle est capable de commencer tout de suite après 180? Non. Eh bien, vilbrequin continue à virer. Eh bien, là, nous venons obligés. Représente tableau en pour côté que nous venons faire une série de décrétation par 60. Parce que après 180, pour moteur faire explosion encore, il besoin courir 60 degrés qui pourrait faire 60 plus 80 qui pourrait faire 240. C'est laisse ça cylindre 3 après commencer explosion par là. Parce que moteur ça, c'est chaque fois qu'il y a 240 degrés, il qui en tourné, eh bien, on t'a moteur fait. Si c'est explosion, explosion fait. Si c'est admission, admission fait. Eh bien, là où est le moteur courir
180, il finit faire explosion, hein? Et puis il continue à courir l'autre 60 degrés encore pour le capable faire explosion dans le troisième. L'explosion, ça a fini. Explosion a toujours pris 180. Nous connaissons 180, c'est 60 par 3. Côté que nous montrons 60, 60, 60. Eh bien, ça a explosion a fini dans le troisième. Nan. Eh bien, est-ce que là, tout commence dans le deuxième, nan, selon l'ordre d'allumage là? L'IPACA tout commencé parce que Villebrequin a besoin de courir, il y a 60 degrés encore, côté que l'IPAL fait explosion. Eh bien, c'est comme ça, moteur ça lui-même, tant yo ou capable de présenter son tableau. Chaque fois, il y a temps fini, eh bien, Villebrequin, il courit 60 degrés avant l'autre là commencer. Par exemple, explosion, 60 degrés. Explosion commence dans le troisième. Nan. 60 degrés, Villebrequin continue à courir. Explosion commence dans le deuxième. Nan. Et si nous prenons pour échappement, ou après ces mêmes bagages-là, après explosion, échappement fait. Les échappements finissent fait dans le premier. Hein? Eh bien, échappement prêt fait dans le troisième. Nan, tout selon ordre d'allumage. Pas oublier que nous disons, même ordre d'allumage qui pour explosion. Hein? C'est lui-même qui pour échappement, c'est lui-même qui pour admission, c'est lui-même qui pour compression. Qui donc, après le fin fait échappement, ou après, l'échappement pas qu'à tout commencer là parce que il y a une explosion qui a fini. Il est obligé de tendre 60 degrés pour lui faire, il est obligé de tendre 60 degrés pour lui capable de faire échappement. Qui donc, c'est comme ça. Nous expliquons lui. Nous allons montrer dans la gens que nous rejoignent en pile monde qui toujours dit pour qui ça nous toujours fait un tableau hein, seulement avec explosion là nous venons en même tableau ça tout nous venons avec admission côté que vous voyez que admission en fait c'est toujours demi tout Villebrequin c'est 0 rivé dans 180 et bien vous pouvez joindre gain 60 degrés qui Villebrequin va continuer à courir avant admission vienne faite dans troisième cylindre là. Pas oublier que nous toujours gain ordre d'allumage nous qui c'est 1 3 et puis 2. Là, Jean que nous expliquons, nous parlons de cylindre comparons qui donc c'est chaque cylindre qui dans route mais c'est chaque fois 240 degrés a bien autant moteur. Chaque 240 degrés qui donc, chaque fois Villebrequin court 180, le fin fait un temps, pour nous capable de joindre 240 là, eh bien, Villebrequin obligé de courir 60 degrés en plus pour l'autre temps en fait. Qui donc, ou pas joindre, yon moteur 3 cylindres, c'est chaque 240, yon moteur 4 cylindres, et bien c'est chaque 180 qui donc, moteur 4 cylindres là, li, les joignent énergie plus vite qui donc les plus rapide passer un moteur 3 cylindres et c'est ça qui fait pas en pile fois l'autre monde pral même machine qui gagne plus cylindres et bien qui avantage qui gagne dans machine qui gagne en pile cylindres là nous pensons que ou comprendre sous poko fin bien comprendre ou capable poser question ou capable prendre son ou garder tableau hein, et puis ou poser question nous même n'a bien content répondre nous et nous connaît que travail ça ou même comme jeune étudiant ou a demandé en pile nous jeune en pile question sur ça et bien nous espérons que ou aider nous ou partager avec zanmou fait tout l'autre zanmou yo connaît que tableau 3 cylindres là lui-même li disponible et bien comme ça vous capable regarder si toutefois vous pas comprendre ni dans classe côté professeur t'a expliqué yo et bien là si vous venez suivre Kenimika et bien Kenimika fait vous comprendre ni avec cette vidéo ça nous vous merci encore parce que vous prenez tout temps ou rivé là ou regarder vidéo hein ou regarder explication nous bail là et bien merci encore. N'a venu avec l'autre vidéo pour vous. Mais ou même, sauf que n'a toujours mando, ba nous ti aide là, aide nous partager. Merci tout le monde.